clôturer session extraordinaire. Bandaki malamu, tosilisipe malamu, tozong si lokumwe panzambe. En même temps, tosengi na bandeko na biso nyonso ya ville de Kinshasa. Po na bango nde toye awa, toye ko travailler po na bango, ba sala biso confiance, ba continuer ko sala biso confiance, tozali awa po na ko plaider po na cause na bango. Toye bisi bango bazala na kimia parce que toza na kata ko travailler po na bango. Ba resultat e ko banda ko mona na kalate. Na bango ba yebake, ba yaki ko tika biso na février po to fungo la session ya mars. Ndenge batika kibiso o bango bazo zelepa na biso tozo salango na malembe malembe to chaki bureau definitif o yo bureau est definitif estinda kibiso to tia ba commission permanente o ekoyeba na kolanda na boke binyonso maemazo leka na epai na bango ba électeur pour que biso to ya ko traiter ango na ba commission o to bengi commission permanente to chaki pe ba groupe parlementaire en place et puis comité de sage ba commission wana nso eko se eko tinda biso to ye banako traiter ba dossier oyo nyonso ba population oyo bazo senga epai na biso pour que to sale lango na kati ya ba commission na biso. Commission ya Ecofin to yebi na ko silisa te me to ko sala ngo na o ba bengi comme session extraordinaire pour que bata la makambo etali budget ya ville province na biso ya Kinshasa. Bana lemba bozala motema pio mama Norbertine aza toujours peme na bino ba doléance na bino nyonso cahier de charge na bino boye ba ke awa tozo ke na congé vacances parlementaires to ko solo la nango et puis na ko ya ko défendre yango pour que développement ya lemba o bino bozela ki et le kananzela ya mama Norbertine au travers nouveau gouverneur na biso oyo Daniel Bumba parce que yepe aza mutu azo tali to inaye na ba doléance oyo ezo uta epai ya ba député professeur. Se tient aujourd'hui, lundi 1er juillet 2024. Votre bureau vous propose l'ordre du jour que voici. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Audition et approbation des procès-verbaux numéro 8 et numéro 9, respectivement des séances plénières de mercredi 19 et 21 juin 2024. 3. Examen et adoption du projet de dotation budgétaire et aménagée de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour l'exercice 2024. 4. Cérémonie de clôture solennelle de la session ordinaire de mars 2024. Y a-t-il des objections quant à ces? Madame députée, chers collègues, la cérémonie de clôture solennelle est marquée par le discours du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sans plus tarder, je me livre à cet exercice. Honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables députés provinciaux et chers collègues, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial de Kinshasa, monsieur le commandant de la 14e région militaire, monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise ici représenté, monsieur le directeur général des régies et services publics provinciaux de Kinshasa, mesdames et messieurs les bourgmestres, distingués invités, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités respectives, avant toute chose, qu'il me soit permis de vous saluer et vous souhaiter une cordiale bienvenue dans ces magnifiques cadres de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au nom des députés provinciaux de Kinshasa, en celui des membres du bureau et au mien propre, l'honneur me revient de vous remercier vivement pour avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie solennelle de clôture de la session ordinaire de mars 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est en dépit de vos agendas respectifs très chargés.
honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, comme vous le savez, la présente cérémonie revêt un caractère solennel. Elle est consacrée à la clôture des travaux de la session ordinaire de mars 2024. C'est en application des dispositions de l'article 16 de la loi numéro 08/018 du 31 juillet 2008 portant aux principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province tel que modifié et complété à ces jours par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013. À cette occasion, qu'il me soit permis d'ores et déjà de souhaiter aux collègues députés provinciaux de Kinshasa bonnes et heureuses vacances parlementaires dans leurs circonscriptions électorales respectives. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, la République démocratique du Congo venait hier de célébrer les 64 ans de son accession à la souveraineté nationale et internationale. En effet, le hasard a fait que la clôture de notre session ordinaire de mars 2024 coïncide avec cette fête historique que les Congolais ont passée une fois de plus dans la méditation. J'associe ma voix à celle des honorables députés provinciaux élus de Kinshasa pour rendre gloire à Dieu et souhaiter bonne fête de l'indépendance à l'ensemble du peuple congolais et à toutes les autorités nationales, provinciales et locales. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, vous vous souviendrez avec moi que la ville de Kinshasa a été récemment secouée par une tentative de coup d'État perpétrée par des assaillants qui ont conjointement attaqué le palais de la nation et la résidence de l'honorable président de l'Assemblée nationale. C'est ici l'occasion de rendre un hommage mérité à nos vaillantes forces de sécurité qui ont su neutraliser les assaillants dont une quarantaine d'entre eux se trouvent actuellement entre les mains de la justice. Au nom de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je profite de l'occasion que m'offre la solennité de cette cérémonie pour condamner d'abord avec la dernière énergie cette lâche et rétrograde qui visait à mettre en péril la démocratie et l'état de droit dans lesquels notre pays s'est résolument engagé, conformément au pacte républicain consigné dans la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, qui interdit formellement à quiconque d'accéder au pouvoir par le moyen des armes. Renouveler ensuite notre loyauté et indéfectible soutien à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, qui ne ménage aucun effort dans sa quête pour la paix, la stabilité du pays et la concorde nationale. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, au début de cette session, l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'était fixée comme priorité l'audition et l'approbation du programme du gouvernement provincial, suivi de l'investiture des ministres provinciaux devant animer les politiques publiques de développement de la ville de Kinshasa pour la période quinquennale 2024-2028. Cet objectif n'a pas été atteint pour des raisons évidentes évoquées dans le communiqué officiel numéro 25-CAC-SLB-06-28-2024
de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Dans l'espoir de voir les équivoques et autres contraintes qui ont prévalu à la non-investiture du dit gouvernement devoir être vidées rapidement à l'issue de la réunion convoquée à cet effet par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, je me dois aussi ici de rassurer à l'Assemblée de l'opinion nationale et provinciale ce qui suit. La volonté pressante des députés provinciaux élus de Kinshasa de procéder à l'investiture des membres du gouvernement provincial de Kinshasa reste inébranlable et constitue une priorité de priorité pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 2. En vertu des dispositions de l'article 76 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, notamment dans le cadre d'une réunion de la conférence des présidents élargie au gouverneur de la ville de Kinshasa, il devient important et urgent que des consultations soient engagées avec l'autorité urbaine en vue de la convocation d'une session extraordinaire. Celle-ci sera consacrée essentiellement à l'approbation du programme d'action du gouvernement provincial de Kinshasa pour la mandature 2024-2028, suivi de l'investiture des ministres provinciaux qui auront la responsabilité de l'exécution du dit programme sous le contrôle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Honorables députés, chers collègues, la non-investiture du gouvernement provincial de Kinshasa au cours de cette session qui se clôture ces jours ne peut en aucun cas faire oublier ou empêcher à l'Assemblée provinciale de mettre à l'exergue les réalisations obtenues dans le cadre du travail parlementaire abattu dans si peu de temps. L'idée de stage de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ainsi que de leurs bureaux respectifs. L'examen et l'approbation du calendrier présenté par la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire sur le contrôle trimestriel de l'exécution budgétaire des recettes et des dépenses publiques de la ville de Kinshasa pour la période allant du deuxième semestre 2023 au premier semestre 2024. L'audition parlementaire du ministre provincial de Finances sortant sur l'évaluation de la gestion actuelle des finances de la ville de Kinshasa et des dettes relatives contractées au nom et pour le compte du trésor urbain. L'invitation adressée au commissaire général en charge de l'énergie, c'est dans le cadre de son audition parlementaire par la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire, notamment au sujet de la clarification des allégations incombant au gouvernement provincial de Kinshasa sortant quant à la surfacturation des divers marchés publics par lui conclus pour l'implantation des lampadaires publics solaires. De ce qui précède, je ne saurais passer sous silence les efforts inlassables des honorables députés provinciaux élus de Kinshasa qui se sont illustrés par une détermination sans précédent, mêlant intelligence et sacrifice pour un résultat somme tous encourageant. À ces propos, je vous exprime ma grande satisfaction concernant la qualité de ces intelligences et hautes factures manifesté par vous à l'occasion des débats en plénière comme aussi dans des commissions. Je vous prie de trouver ici, honorables députés, chers collègues, l'expression de ma profonde gratitude. Honorables députés, chers collègues, l'arrêté portant nomination de différentes personnalités
faisant partie du gouvernement provincial étant connue et publiée, je tiens à féliciter et encourager le gouverneur de la ville, son vice-gouverneur et les ministres qui seront investis finalement par notre chambre parlementaire à être véritablement des serviteurs de notre peuple et au service du développement de la ville de Kinshasa, dont les attentes sont immenses. C'est pourquoi je m'adresse avec insistance au monsieur le gouverneur de la ville, monsieur le vice-gouverneur, monsieur et le ministre, messieurs et mesdames, les ministres provinciaux qui seront bientôt investis, que vous devez, parce qu'il y en a parmi eux qui sont avec nous, ils sont encore des députés jusqu'à cet instant. Vous devez avoir à l'esprit que tous les indicateurs de la ville-province de Kinshasa sont dans un état piteux. L'insalubrité passe son plein, les routes fortement dégradées, les embouteillages et le phénomène Kuluna ont atteint le seuil de l'intolérable. La toxicomanie et l'alcoolisme sont devenus pour notre jeunesse une denrée quotidienne qu'il faille combattre avec la dernière énergie. Au-delà de ça, il y a d'autres crises multiformes que connaît la ville de Kinshasa et qui nécessitent une thérapeutique et une intervention musclée de la part du gouverneur de la ville et de chaque ministre dans son secteur d'activité. Les attentes de nos populations étant énormes, je pense, à mon humble avis, que les priorités et défis majeurs qui s'imposent au gouverneur provincial devaient être orientés ou consentis vers les actions suivantes. 1. La lutte contre le coulage des recettes publiques en vue de pourvoir à la maximisation accrue des dites recettes et la renégociation en urgence de tous les contrats signés par la ville de Kinshasa ayant un caractère léonin. 2. La sécurisation des personnes et de leurs biens. 3. La promotion et la protection des droits humains. 4. La lutte contre l'insalubrité. 5. Le paiement régulier des salaires et frais de fonctionnement des institutions et services publics émergeant au budget de la ville de Kinshasa. La création des conditions sociales favorables pour que tous les quartiers reculés de la ville de Kinshasa bénéficient de l'accès à l'eau et à l'électricité. 7. La lutte contre les constructions anarchiques. 8. La lutte anti-érosive. 9. La création et l'aménagement des infrastructures de base. Les cimetières publics modernes à moindre coût, les logements sociaux, les écoles et les centres hospitaliers et autres, c'est dans l'optique de soulager la misère de nos populations. Honorables députés, chers collègues, dans un autre chapitre, les honorables députés provinciaux élus de Kinshasa se sont également acquittés de leurs devoirs en matière de contrôle parlementaire. Au total, 3 initiatives ont été inscrites à l'ordre du jour de plénière convoquée à cet effet par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il s'agit de 1. La question orale avec débat adressée au ministre provincial en charge de l'éducation. 2. L'interpellation de M. le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa. 3.
la question orale avec débat adressée au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice. S'agissant des autres initiatives de contrôle parlementaire, j'invite les différentes commissions permanentes à initier des auditions parlementaires des membres du gouvernement et des responsables des services publics, provinciaux et locaux, c'est pendant toute la période d'intersession. C'est de cette façon que nous rendons opérationnelles les commissions permanentes en tant qu'organe technique de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Honorables députés, chers collègues, dans le domaine législatif, il y a lieu de noter que, jusqu'à ces jours, la ville de Kinshasa navigue à vue par manque d'un budget, ce qui met en difficulté le fonctionnement normal des institutions et services publics de la ville de Kinshasa et peut, dans les pires scénarios, empêcher la réalisation de notre politique publique, laquelle est le cœur des attentes de la population kinoise, dont le regard est tourné vers ces mandataires que nous sommes. C'est pourquoi j'exhorte le gouvernement provincial, qui sera bientôt investi, à pouvoir apprêter et déposer dans le meilleur délai le projet dédié portant budget de la ville de Kinshasa de l'exercice 2024 et le projet dédié portant réédition des comptes budgétaires de la ville-province de Kinshasa. L'urgence y étant, les discussions seront engagées avec le gouvernement provincial en vue de procéder le cas échéant à la convocation d'une session extraordinaire devant permettre l'examen et le vote de ces documents en procédure d'urgence. Honorables députés, chers collègues, avant de terminer, j'ai saisi cette occasion pour féliciter et remercier nos différents héros dans l'ombre qui nous ont accompagnés comme il se doit sur le plan technique et administratif durant nos travaux aussi bien en commission qu'en plénière. Il s'agit particulièrement de notre personnel politique et administratif. Je vous invite à applaudir nos deux services qui nous accompagnent dans notre travail. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2024 et vous souhaite encore une fois bonnes vacances parlementaires. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la ville de Kinshasa. Que Dieu bénisse l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je vous remercie. Vu le volume de travail et l'importance de la matière dont notre commission est saisie, de son examen technique approfondi et en procédure d'urgence, il a été jugé insuffisant et précipité les délais de 2 jours impartis à votre commission pour pénétrer suffisamment toutes les rubriques budgétaires de cette occasion et d'en cerner la portée. Sur le plan technique, les difficultés rencontrées sont les suivantes. Premièrement, votre commission n'a pas été en mesure d'entrer en contact ou de discuter avec le membre du gouvernement provincial sortant ou démissionnaire pour discuter et définir les premiers accords de montants mensuels actualisés devront être décaissés par les trésors urbains pour le paiement de notre dotation budgétaire. De même, la ville de Kinshasa ne dispose pas à ce jour de son budget 2024 qui devrait nous aider à tirer des informations budgétaires essentielles sur les crédits correspondants réservés au paiement de notre dotation budgétaire. Secondo, votre commission n'a pas voulu prendre des risques de procéder au réajustement des masses salariales des députés et de membres du personnel de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sans avoir obtenu des assurances
de la hauteur et de la périodicité de leur paiement par les trésors publics et humains dont la décision législative devrait faire au préalable l'objet des concertations avec le nouveau gouverneur, son ministre du Budget et celui des Finances qui viennent à peine d'être nommés. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, compte tenu des difficultés ou de toutes les contraintes évoquées si haut, votre commission sollicite de la plénière spécifique un délai supplémentaire d'au moins 10 jours pouvant permettre à votre commission d'enrichir en connaissance de cause les projets de dotation budgétaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est en concertation avec le nouveau gouverneur, son ministre du Budget et celui en charge des finances de la ville de Kinshasa. La possibilité de procéder à la convocation d'une session extraordinaire consacrée à l'approbation de cette dotation et d'autres matières législatives urgentes qui pourront nous être présentées par le gouvernement provincial, notamment l'examen et le vote des lits portant budget de la ville de Kinshasa d'exercice 2024. Tels sont, honorable président et chers honorables membres de l'Office d'Assemblée, les contraintes assorties des demandes vous formulées par votre commission en vue de doter l'Assemblée provinciale de Kinshasa d'une dotation budgétaire réaliste, conséquente et dont le paiement sera assuré de manière régulière suivant la hauteur et la périodicité convenues préalablement avec le nouveau gouvernement provincial de Kinshasa. Je vous remercie. Grâce à Dieu, le maître de temps et des circonstances, nous avons commencé cette session avec lui et nous venons de la clôturer avec lui. Tout s'est bien passé jusqu'ici. Et voilà, il y a une session extraordinaire qui serait annoncée d'ici là parce qu'il y a d'autres matières qui sont restées en cours. Nous devons clôturer avec ces matières-là au cours de la session extraordinaire. Cette législature est à la hauteur et nous allons encore vous l'éprouver dans les prochaines sessions que nous aurons. Nous lançons un message positif aux Kinois. Nous demandons aux Kinois de nous faire confiance, réintégrer encore leur confiance à notre personne et à cette législature parce que nous sommes là pour travailler pour leur propre cause. Nous avons eu à traiter pas mal de choses. Nous avons installé les bureaux définitifs. Les bureaux définitifs, à son tour, a eu aussi à installer des commissions permanentes. Il y a eu aussi des répartitions des groupes parlementaires. Il y a eu aussi des dossiers que les commissions ont traités. On a interpellé dans le cadre des contrôles parlementaires. On a eu aussi à contrôler. On a interpellé les DG de la DGRK, aussi les ministres de l'Intérieur, malheureusement qui s'est excusé par rapport à son état de santé. Nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits par rapport à cette première session, bien que notre commission des COFI n'a pas pu finir ce qu'il a commencé pour doter à notre ville-province d'un budget qui pourra aider pendant ces 5 ans. Le président est obligé de trouver encore un compromis avec l'exécutif provincial pour demander, solliciter une autre session extraordinaire qui pourra aider à ce que la commission ECOFIN puisse appuyer tous les dossiers par rapport
au budget de la ville province. Africa cool, et ben cool, Africa cool, et ben cool, le quoi cool ma topi, Africa cool, toujours, c'est bon. Les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide, les chaînes moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons 5 ans à battre, nous avons souscrit des bazois. Donc, ils ont vraiment été au Balobakaki, Bouka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas à cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Afrique cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo d'Anabino Mama. Afrique cool télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Ouais. Donc Eza et Loro Nabiso, tout c'est pela ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Afrique cool. Yo moni ba chaîne Eza impartiale. Et Loro Nabino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions comme vous. Bisognoso, tous abonnés à Afrique cool. Afrique cool, oyo. Zengo, Afrique cool, merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Je vais vous placer un petit mot par rapport à la récompense, oyo. Ah, je félicite, très sincèrement Africa cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication, optimale d'excellence. Voilà. Nazanga mokote tala YouTube yemoko à reconnaître que napona ki mabete. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikala kaka abonné à Africa cool. Voilà. Comme ça to partageaka. Bravo Africa cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. On doit s'abonner parce que trophée Ezali Abino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo, Africa cool. Merci beaucoup.